J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi la sorcière et mon chat, nous allons vous faire une recette très facile à réaliser pour Halloween, pour les petits monstres. Donc, c'est parti pour la recette. Ah, ma chérie, qu'est-ce que t'en penses? Si on allait chez le voisin le transformer en crapaud, hein? Bon, ça te dit? Allons-y. Allez, on fait le marbré, donc il suffit tout simplement de casser les œufs dans votre bol batteur, de rajouter le sucre et de battre. Ajoutez les deux petits Suisses et on fouette à nouveau. Ajoutez les épices et la farine petit à petit et on fouette tout doucement à nouveau. Rajoutez le lait. Et le beurre fondu. Divisez votre pâte dans deux saladiers différents. Donc ensuite, vous allez pouvoir colorer une partie en orange. Et l'autre partie en noir. Donc n'hésitez pas à rajouter du colorant si la couleur ne vous convient pas. On va faire le marbré, donc il suffit d'intercaler une couleur orange et par-dessus mettre une couleur noire, une couleur orange, une couleur noire, etc. jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Pour le glaçage, donc c'est une ganache, il suffit de faire fondre votre chocolat au bain-marie et de rajouter la crème en 3 fois. Émulsionnez bien parce que ça va vous permettre d'avoir une ganache très brillante. Votre gâteau refroidi, maintenant vous allez pouvoir verser la ganache en une seule fois. Donc il faut quand même qu'elle soit à température ambiante, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Et de préférence le gâteau, il faudrait qu'il sorte du frais. Comme ça la ganache, elle va encore mieux accrocher au gâteau. Lissez avec une palette pour enlever l'excédent de chocolat. Pour faire la toile d'araignée, j'ai utilisé donc le cornet. Et de la glace royale, donc je vous mets la recette en barre de description. C'est le moment de laisser aller votre créativité, amusez-vous. Et voilà, le gâteau est terminé. Et à la découpe, il y a une surprise. Il est marbré. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie de transformer toutes les personnes qui vous croisent en crapaud ou autre bestiole méchante. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et régalez-vous. Et très joyeux Halloween.